Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Nous allons voir aujourd'hui comment reprendre sereinement votre activité de chirurgien implantaire. Pour ceux qui nous avaient déjà suivis la semaine passée, on reprendra basiquement quelques petits points vus la semaine dernière. Et messieurs docteur Missika, docteur Keller et docteur Limbourg auront le plaisir de faire un point plus précis sur l'activité de chirurgie implantaire. Patrick, je te laisse la parole. Oui, bonjour, bienvenue à tous. Nous avons pris la décision, sur une idée de Thierry Garcia, d'organiser un séminaire spécifique sur la pratique implantaire. Nous avons pris cette décision parce que il y a un grand nombre de nos amis qui nous ont téléphoné pour savoir si effectivement tous les actes seraient autorisés. Et il y a une certaine inquiétude. Nous voulons vous parler comme on parlerait à des amis. Donc, ce webinaire a un objectif de partager des conseils qui sont des conseils amicaux, qui ne sont en aucun cas des recommandations. Et on a également comme objectif de faire un webinaire qui soit un webinaire flash, c'est-à-dire 20-25 minutes d'exposé et ensuite un quart d'heure, 20 minutes pour répondre à vos questions. Voilà. En souvenir de mon ami André Brunold, qui était un grand prof de prothèse, une petite histoire pour détendre l'atmosphère. Lorsqu'il y a une innovation dans le monde, eh bien, les Américains en font un business, les Chinois en font une copie et les Français font une réglementation. Eh bien, vous avez vu que depuis quelque temps, nous avons un tas de réglementations sur tout, sur notre pratique, mais sur aussi les tournages de cinéma, sur les cantines, etc. Et on arrive à faire des réglementations sur tout. Donc aujourd'hui, pas notre objectif du tout. Ce ne sera pas de faire une réglementation, ce sera de donner juste des conseils. Voilà, au niveau de la participation, nous avons travaillé avec un certain nombre de collègues, de confrères, dans une atmosphère très amicale. Très peu de mots, l'idée est partie d'une idée de Jacques Bessade il y a plus de 2 semaines. Et nous avons réuni ensuite avec Olivia, qui avait travaillé de son côté avec Philippe, qui avait préparé le premier webinar que vous aviez vu. Nous avons créé un groupe avec beaucoup de collègues, dont Pierre Keller, et puis des amis de longue date, Anne Benamou, Chantal Ify, Corinne Alam, Corinne Touboul, Jacques Bessade, que j'ai déjà cité, Guillaume Drouet, que tout le monde connaît pour l'hygiène, Patrick Risbraya, qui est en ligne avec nous, Joël Itic, Patrick Limbourg, qui est en ligne avec nous, et Philippe Monsenego, que je voudrais remercier pour leur implication. Voilà ce que je voulais vous dire sur la collaboration. Il y a tout un tas d'autres collègues que vous avez vus sur ce cœur fait par le service marketing de Biotech. Alors, comment ça se passe au niveau de la contamination, Olivia ? Ben, finalement, en fait, on va devoir considérer 3 éléments en permanence afin donc de limiter les risques de transmission. Je pense qu'on les a tous un peu vus dans ces dernières semaines. Donc, il va y avoir à la fois des projections dans l'air et des projections dans les surfaces. On va avoir un risque de contamination indirecte du personnel et un risque de contamination directe du personnel et des patients. Et du coup, un risque de contamination croisée. Pour commencer, on va revoir très brièvement le parcours et la protection du patient. Alors, comme ça, c'est très important pour nous, hein, Olivia. La protection des patients est quand même une de nos préoccupations principales. Donc, comme on avait pu le voir en fait précédemment, donc on va essayer d'aménager un peu le cabinet différemment par rapport à ce que l'on avait pu faire. On va essayer déjà d'arranger aussi notre emploi du temps en prenant des rendez-vous un peu plus longs et en espaçant davantage les rendez-vous. On va téléphoner à nos patients pour leur administrer un questionnaire médical rapide sur le Covid, à savoir est-ce qu'ils ont été touchés, s'il y a eu des proches de touchés, etc. et savoir si on maintient les rendez-vous ou non. On va aménager la salle d'attente en respectant bien la distanciation sociale et en essayant de bannir certains sièges de nos salles d'attente et aussi, si l'on peut, l'utiliser le moins possible. On va penser à vérifier nos systèmes de ventilation, d'aération, si on peut le faire, de les munir de filtres HEPA. On va penser à avoir des masques pour nos patients. On leur demandera de venir au cabinet avec un masque. Pour ceux qui n'en auraient pas, on leur donnera un masque dans la salle d'attente. On leur fera faire une friction de gel hydroalcoolique dès l'arrivée. On pourra protéger aussi l'accueil par des hygiaphones
et l'on viendra débarrasser tous nos espaces de soins pour qu'ils soient le plus libres possible en les épurant au maximum. Pour la prise en charge donc, des patients lorsqu'ils vont arriver au cabinet et pour la gestion des flux, on évitera évidemment tout ce qui va être action d'embrassade, etc. et de serrage de main. On pourra prendre la température. On a vu dans les dernières recommandations du Conseil de l'Ordre qu'il a été dit que ce n'était pas forcément obligatoire. Cela peut simplement être aussi un geste rassurant pour nos patients qui verront que nous faisons quelque chose de différent et qui auront l'impression d'être pris en charge. Ils feront donc ce fameux gel hydroalcoolique à l'entrée. On pourra avoir des bacs pour pouvoir mettre leurs différentes affaires. On leur précisera de ne pas jouer avec leur téléphone portable s'ils devaient être dans la salle d'attente. On respectera évidemment toujours sa distanciation d'un mètre entre les personnes. Et on pourra leur administrer un bain de bouche. On conseillera la bétadine, sauf en cas d'allergie. Et on fera attention aux vêtements, parce qu'on rappelle que la bétadine verte risque de tacher les vêtements. Et la bétadine, à quelle proportion? Comment on la dilue? On l'utilise pure ou pas pure? Moitié eau, moitié bétadine, 50-50. Et ça, Jacques Bessade est très attaché à ce 50%. Et puis ensuite, bien, quelle protection finalement on aura pour le personnel médical? Alors, on rappellera pour le personnel médical de s'attacher les cheveux, pour les messieurs de se débarrasser de leur barbe, d'enlever tout ce qui peut être bijoux encombrant, de respecter aussi cette distanciation sociale. Et au niveau du masque, on aura justement, est-ce que c'est masque FFP2, est-ce que des masques chirurgicaux, les visières aujourd'hui, qui semblent aussi une très bonne alternative pour bien venir se protéger. Pour les masques FFP2, on fera surtout très attention aussi à la mise en place du masque, parce qu'on rappelle que c'est quelque chose qui peut être assez désagréable. Donc, on essaiera aussi de conseiller notre personnel de ne pas venir jouer avec et de le mettre correctement en place. On peut se poser la question par rapport à cette diapositive. Donc, un petit coucou. Alors, qui est à gauche? Qui est à gauche là? Qui est le cosmonaute de gauche, Olivier? Alors, je ne sais pas s'il nous écoute, mais professeur Ziane, si vous nous écoutez, on vous passe tous un grand bonjour. On espère que vous allez bien. Qui s'est transformé en cosmonaute pendant la période. On a le docteur D'Ambrosio aussi, qui lui s'est transformé en, je ne sais pas, il a une sorte d'aspirateur à l'arrière de sa tête qui est relié dans sa salle et qui aspire en continu. Alors, je pense qu'il est bon de rappeler quand même que tous les implantologues que vous êtes, je pense que vous connaissez déjà tous les mesures d'asepsie, que dans toutes vos salles de chirurgie, vous appliquiez déjà toutes les bonnes mesures. Et qu'il n'y a pas raison que beaucoup de choses, finalement, ne changent réellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Alors, de toute façon, il est hors de question d'opérer dans cette position parce que, avec tout le respect que j'ai pour mon ami Ziane, je crois que là, les patients ne viendraient vraiment plus se faire opérer. Et en tout état de cause, on en parlera un petit peu plus tard, mais l'acte de pose d'implant est un des actes qui donne le moins d'aérosolisation. Et on n'a absolument pas besoin de super protection. À l'extrême limite, on peut même se poser la question de savoir si on a besoin d'une visière. Avec un masque, ça devrait largement suffire. Donc, je crois qu'il faut faire attention. La période de confinement a entraîné quand même une grande anxiété chez les uns et chez les autres. Et je crois qu'il faut revenir à des conseils plus judicieux et revenir à un exercice plus serein. Voilà. Donc, nous, le conseil, je crois que Patrick et Pierre partagent. Oui. Patrick, oui. Pour compléter ce que tu dis, je pense qu'effectivement, cette réunion est importante pour donner les bonnes pratiques nécessaires dans la phase de déconfinement avec un virus dont on a un petit peu de mal à cerner les contours. Mais pour autant, il faut savoir raison garder et pas partir dans une paranoïa dont on a écho de temps en temps et dont on a la preuve devant nous. C'est sûr que si on travaille comme des cosmonautes, on va mourir asphyxié. Tout à fait. Donc, c'est juste impossible en pratique quotidienne. C'est irréaliste. Pierre, tu es d'accord ? Tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est déjà, je trouve que travailler 4 heures avec un FFP2 sans y toucher, c'est déjà pas évident. Dans le tour de garde, on a eu l'occasion là, de travailler avec ses masques sans y toucher pendant une matinée. Je trouve que déjà là, on a vraiment une impression d'un peu
d'étouffement avec ces masques. En effet, je pense qu'il faudra être rigoureux avec notre personnel pour vraiment leur expliquer, par contre, l'importance de ne pas y toucher, de ne pas aller faire des pauses toutes les 10 minutes et d'aller risquer de se contaminer avec ce masque. Et pour le reste, oui, évidemment, bon, là, on est tombé dans des excès. Je pense qu'en effet, comme disait Olivia, l'ensemble du milieu chirurgical implantaire a l'habitude de s'habiller de façon classique avec des moyens de protection déjà très élevés et ne tombons pas dans un délire paranoïaque. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et Guillaume Drouet, qui est notre spécialiste dans le service de l'hygiène et asepsie, disait que la profession s'est un peu focalisée sur ce problème de FFP2 et de pénurie de FFP2, mais il faut savoir que c'est un masque qui est extrêmement inconfortable, que beaucoup de gens qui le préconisent ne l'ont jamais porté, et qu'il est à l'origine d'énormément de fautes, en particulier avec les mains, lorsqu'on le réajuste ou lorsqu'on veut le desserrer, et qu'en fait, il est quasiment contre-productif. Donc nous sommes partisans, et on va le développer un peu plus tard peut-être avec Olivia, de l'utilisation du masque chirurgical et de la visière. Voilà. Olivia. Du coup, qu'est-ce qu'il en est finalement pour l'entretien du cabinet et de nos salles de chirurgie? Il faudra finalement séparer deux choses, l'air et les surfaces. On a vu plein de choses. Sur l'air, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et ce qui semble le plus facile, ça va être d'aérer et d'ouvrir donc ces fenêtres. On ne sait malheureusement pas combien de temps réellement il faut aérer, parce que ça va dépendre du volume de la pièce, des conditions météorologiques, de la vitesse de la VMC. On sait aussi qu'il y a pas mal de praticiens qui ont des salles de chirurgie sans fenêtres, donc il va falloir trouver des solutions pour ces gens-là. À ce moment-là, il y a des purificateurs d'air qui existent. Il y en a de toutes sortes, de toutes marques. Il faut juste faire attention à des petits points qui doivent être présents pour un purificateur. Il faut qu'il y ait un filtre EPA de bonne qualité, un filtre à charbon actif et des lampes UV. Il peut y avoir aussi de l'UVC. Il faut faire attention à l'UVC qui, pour l'être humain, peut être nocif s'il n'est pas utilisé dans des bonnes conditions. Et les tarifs aujourd'hui des machines à UVC semblent encore très inabordables pour la dentisterie au quotidien. Oui, de l'ordre de 60 000 euros, donc un peu cher actuellement pour nous. Complètement. Ensuite, sur les surfaces, donc là, on va utiliser nos produits classiques comme on les a toujours utilisés. On fera attention aux normes, on fera attention qu'ils soient bien virucides. On pourra aussi utiliser un produit dont on a entendu beaucoup parler, qui n'est pas encore présent en France, qui est l'acide hypochloreux. Il y a des petites machines qui existent pour en fabriquer. Attention, parce que les machines qu'on peut trouver sur Amazon, etc., vont créer des concentrations qui ne seront pas virucides. Donc, il faut faire attention quand même à ce qu'on fait. Et ensuite, on peut utiliser des aérosols, soit par des machines, soit par des petites bombes qui seront des bombes à usage unique, qui seront là aussi pour les surfaces. Mais là encore, attention, pas de présence humaine quand on utilise ces aérosols. Donc finalement, cette aérosolisation, on va l'en retrouver dans beaucoup de nos actes. Mais qu'en est-il réellement pour la chirurgie implantaire ? Patrick, je te laisse. Alors, donc, nous, on a voulu faire un focus sur la pratique implantaire. C'est-à-dire ce webinaire s'adresse essentiellement aux confrères qui font de l'implantologie. Alors, juste un mot, en implantologie, il n'y a pas que la chirurgie. Et je voulais dire juste un mot sur la prothèse implantaire. La prothèse implantaire ne présente strictement aucun risque, à condition de respecter les consignes que Olivia vient de développer sur l'accueil des patients. Mais prendre des empreintes, faire des essayages d'armature ou visser des prothèses ou sceller des prothèses sur un plan ne présente strictement aucun danger si vous respectez les normes d'asepsie que l'on pratique depuis longtemps. Pour la chirurgie implantaire, on va essayer d'être très synthétique, à savoir, est-ce que je peux mettre des implants sur un site édenté cicatrisé? Alors là, la réponse pour nous tous, en tout cas les conférenciers qui sont mes côtés, ne fait aucun doute. Oui, on peut faire des implants sur un site édenté cicatrisé. Le fait d'irriguer avec les moteurs d'implantologie crée une irrigation donc assez faible et il y a très peu, très très peu, pour ne pas dire aucun aérosol, à la condition bien sûr d'être équipé d'un aspirateur chirurgical performant.
La deuxième question qu'on peut se poser, c'est combien je peux faire d'implants? Est-ce que je peux faire un implant? Est-ce que je peux faire trois implants? Et est-ce que je peux faire six implants en haut, six implants en bas? Donc là encore, ce que l'on dit n'est que notre avis personnel et n'a aucune valeur de recommandation. Mais nous, nous pensons que se limiter à six implants serait raisonnable. En tout cas, pour ma part, je ne ferai pas six implants maxillaires et six implants à la mandibule. Patrick et Pierre, quel est votre point de vue sur cette question spécifique? Moi, je pense que c'est une très bonne idée de poser des implants. De toute façon, dans nos activités, on n'a pas le choix parce que si on ne pose pas d'implants dans les semaines à venir, on va arrêter de travailler. C'est quand même la base de notre activité. Il est clair que le fait de privilégier plutôt des interventions implantaires en chirurgie orale permet d'avoir des interventions un petit peu plus longues, de limiter, enfin de respecter la distanciation sociale et effectivement poser de 1 à 6 implants, ce qui correspond très sérieusement à la grande majorité de notre activité, ne pose à mon sens aucun problème. Pierre ? Je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, je n'ai rien de plus à rajouter. Je pense qu'en effet, ça me paraît tout à fait... 1 à 6 me paraît raisonnable. Je pense que justement, je pense que ça va être un petit peu les conclusions de tout ce qu'on va évoquer. Il va falloir travailler de façon raisonnable, ne pas chercher des risques particuliers dans cette période-là. Et je pense que poser de 1 à 6 implants correspond tout à fait à ces critères. Deuxième question, est-ce que je peux faire des interventions de type extraction et implantation immédiate? La réponse est oui, parce que pour nous, ça ne change rien. L'extraction, c'est quand même un acte que nous pratiquons régulièrement. La pose des implants immédiatement après extraction est une technique qui est maintenant très bien codifiée, qui demande le passage de peu de forêts, qui ne fait pas plus d'irrigation et d'aérosolisation que ce que nous venons de voir. Et pour moi, la réponse est oui, on peut faire extraction et implantation immédiate sans aucun doute. Ensuite, est-ce que je peux utiliser des matériaux de comblement, puisque ça fait partie aussi de notre exercice? Alors, je dirais qu'il n'y a aucune contre-indication à utiliser des matériaux de comblement, si ce n'est qu'il faut bien sûr bien choisir ces matériaux et que ça implique, Patrick Limbourg en touchera peut-être un mot, ça implique quelque chose sur la prescription qu'on abordera peut-être tout à l'heure avec la prescription ou non d'antibiotiques, Patrick. Tu veux que j'en parle maintenant? Ben, tu peux dire un mot, c'est-à-dire est-ce que le fait de mettre un matériau de comblement change la règle du jeu de la prescription antibiotique? Dans les recommandations, il est clair que dès lors qu'on met un matériau de comblement, mais c'est vrai aussi pour un matériau d'hémostase, il est préférable d'avoir une couverture antibiotique simple pendant quelques jours, qui commence le matin de l'intervention, qu'on va poursuivre pendant 5 jours. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait classique. Alors ça, c'est notre prescription habituelle, juste pour alimenter le débat. Il faut savoir que cette prescription chez les patients sains et en bonne santé pour la pose d'un plan simple est quand même une spécificité très française et que, par exemple, nos amis de Louvain considéraient que prescrire des antibiotiques constituait une faute professionnelle. Donc, de part et d'autre de la frontière, l'optique et l'éclairage n'étaient pas tout à fait le même. En tout cas, dès lors que l'on rajoute des matériaux et qu'il y a un risque augmenté d'infection, il est clair que ça change la prescription. Ensuite, dans notre exercice, alors là, vous avez vu sur la photo, c'est un matériau que je vous recommande, qui est le col à pattes, qui a succédé au Matribone, et on pourra faire un séminaire prochainement sur ces techniques d'extraction et implantation, parce que ça donne des résultats tout à fait étonnants, et le matériau est d'une simplicité biblique à utiliser. Nous l'utilisons avec mes amis de longue date, et en particulier Patrick Esbraya a fait un très très beau travail sur les comblements de sinus avec le Matribone. Un coucou à Patrick qui nous écoute à Lyon. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire encore quand je fais de la pratique implantaire? Est-ce que je peux faire des sinus lifts? Et on va scinder là encore de façon synthétique. Est-ce que je peux faire un sinus lift par voie axiale, une technique de Summers? Et est-ce que je peux faire une voie axiale d'ostéodensification avec les forêts Versa? Alors, je répondrai de façon claire. Si je fais une technique de Summers sans utiliser de matériaux en granulé, je n'ai pas de problème. Si je fais une technique de Summers sans mettre aucun matériau, je dirais il n'y a pas de problème. Si je mets des matériaux de type colapate ou de type NovaBone, où je n'ai pas de risque de
que les matériaux puissent fuser dans le sinus, eh bien, je peux le faire sans aucun problème. Pour l'ostéodensification, c'est encore plus simple puisque ce sont, vous savez, des forêts qui tournent en sens anti-horaire. Il y a encore moins d'aérosolisation et là, le risque est quasiment nul. Ensuite, si je fais un sinus par voie latérale, le problème est fondamentalement différent. Et là encore, pour être synthétique, la technique chirurgicale est très bien codifiée. Cependant, on n'est pas à l'abri du tout d'un problème de perforation de la membrane, même chez des opérateurs extrêmement expérimentés. Pierre, comment peut-on gérer ce problème? Parce que pour moi, le vrai problème va résider dans le fait des complications sérieuses qui nécessiteraient l'hospitalisation du patient et cette hospitalisation pouvant entraîner des dégradations sérieuses de son état de santé en période Covid. Quel est ton éclairage sur cette bonne question? Merci Patrick, ouais, c'est clair que c'est vraiment là la question en fait. Pour finir, et je pense qu'on va s'y retrouver un petit peu, c'est dans la gestion de la complication qu'on risque plus d'être embêté. Et on va dire que le sinus lift, dans sa complication la plus dramatique, qui serait la pansinusite, qui nécessiterait une hospitalisation pour un drainage ORL sous anesthésie générale, qui entraînerait un risque potentiellement de contamination au Covid, pourrait être en effet reproché du coup d'avoir réalisé cet acte sans en maîtriser les conséquences. Donc c'est pour ça que je me suis dit, quand on a évoqué ce sujet, que ce serait intéressant d'évoquer la gestion des perforations, parce que ça fait partie, si on décide de faire des sinus lift, des choses qui arrivent quand même assez régulièrement. La littérature, elle nous donne, comme dit, 20 à 25% des cas où on va risquer de perforer. Et que du coup, je pense qu'il faut s'intégrer, ou que si on se lance dans ces procédures, c'est aussi savoir gérer la perforation qui va être importante, puisque ça va être un des facteurs potentiellement de l'infection. Alors les perforations, je pense que si on fait rapidement, elles peuvent être relativement petites. Dans la majorité des cas, si elles sont petites, on va juste préparer la membrane pour que la fermeture se fasse de façon passive et venir épaissir la membrane avec une petite éponge de collagène et tout le risque infectieux va être de nouveau géré, et le risque d'effraction de matériaux dans le sinus. Dans les cas de perforations plus importantes, donc si on a des perforations supérieures à 2 mm, je pense qu'il va falloir à ce moment-là gérer la perforation si on décide d'aller au-delà et de continuer du coup la réalisation du sous-pétinus. Soit sous forme de suture, soit sous l'utilisation de membranes résorbables ou de col de fibrine, etc. Il y a un certain nombre de techniques, mais je pense que là, il va falloir vraiment se concentrer pour ne pas prendre de risques. Évidemment, la présence d'énormes perforations à ce moment-là peut poser l'indication de s'arrêter et de dire je ne prends pas de risques, je ne continue pas l'intervention, je ne mets pas de biomatériaux et à ce moment-là, je referme mon site. Je pense que c'est ce qu'il faudrait préconiser dans cette phase-là, c'est de ne pas prendre de risques plus importants, de gérer en fait sa maîtrise de la gestion de la complication et savoir se mettre éventuellement un peu à l'abri en disant ce coup-ci, je sens que je suis un peu limite, je referme. Si je referme, je ne prends pas de risque particulier par rapport à mon site. Je sais juste que je vais pouvoir réintervenir 3 mois plus tard dans des conditions plus sereines, je l'espère vis-à-vis du Covid, mais ça, on n'en sait rien. Mais surtout vis-à-vis de ma perforation, puisqu'à ce moment-là, on peut préparer en épaisseur partielle la zone de l'ancienne fenêtre et souvent avoir une membrane beaucoup plus épaisse. Donc, je pense que voilà. Nous, ce que l'on dit aujourd'hui, c'est que notre conseil d'amis, c'est de ne pas faire. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas d'urgence. On peut attendre septembre, octobre. Et qu'effectivement, si une complication survenait, eh bien, en cas d'expertise, on pourrait nous reprocher d'avoir fait une chirurgie qui est une chirurgie non urgente, et je voudrais avoir l'avis de Patrick Limbourg sur ce point aussi. Alors, il y a deux éléments. D'abord, je rappelle qu'il y a eu des recommandations qui sont sorties sous l'égide de la Société française d'ORL, recommandations auxquelles un certain nombre de nos sociétés, notamment l'Association française d'implantologie et la Société de chirurgie orale, ont participé. Moi, j'ai fait partie du groupe de travail avec Philippe Russe, et des règles très précises, des recommandations très précises ont été émises et sont maintenant publiées. Donc, vous pouvez aller sur le site de la Société française d'ORL et vous aurez l'ensemble de ces recommandations qui vont vous permettre d'avoir le feu vert pour pouvoir intervenir ou pas. C'est important parce que sur le plan expertal, au cas où les choses se dérouleraient mal, tous les experts, en tout cas en France, vont se baser sur ce travail pour savoir si on est intervenu dans un contexte de bonne pratique ou pas. Première chose. Deuxième notion, est-ce qu'à l'heure actuelle, il faut faire les sinus, en tout cas dans les 15 jours, 3 semaines à venir, puisqu'on va rentrer
dans une phase de déconfinement qui va durer quelques semaines. Puis ensuite, il y aura des réévaluations et on va voir comment ça se passe. Notamment, il ne faut pas oublier que la France, elle est divisée en un quart, trois quarts. Il y a trois quarts de départements verts qui ont été, somme toute, c'est notre cas, Dieu merci, en Bretagne, on a été assez peu confrontés au virus. Ça pose aussi un problème d'une faible immunisation de la population. Et puis, un site, j'allais dire, en haut à droite, qui est beaucoup plus dense. Oui, on peut intervenir si on a vraiment une procédure très rigoureuse, très soignée. Pour autant, ces gestes-là ne sont pas non plus des gestes d'urgence. Ce sont des patients qui ont, par définition, des édentements de longue date pour la majorité d'entre eux. Et je pense qu'on peut peut-être attendre quelques semaines avant de programmer ce genre d'intervention. Contentons-nous dans l'immédiat d'un plan, de 1 à 6, on l'a dit tout à l'heure, sans faire de chirurgie préimplantaire, sauf cas très particuliers de patients qui ne pourraient pas attendre. Mais je pense que la modulation et le travail de nos secrétaires, ça va être justement d'organiser les choses pour essayer d'être le plus prudent possible. Et donc, pour l'instant, conseil de prudence, et si vous avez la chance d'être dans la région ouest où l'air est plus pur, eh bien, vous pourrez peut-être, si vous dominez la technique, peut-être le faire. Mais notre conseil, c'est quand même de différer légèrement ce type d'intervention. Parce que sinon, Pierre, qu'est-ce qu'on a comme risque majeur ? On a le risque de l'infection de la greffe sinusienne, qui est comme dit décrit comme 2 à 5% des cas. Il est clair que la gestion de l'infection est évidemment compliquée, parce que c'est toujours une situation délicate vis-à-vis de nos patients, qui risque de s'aggraver de façon assez rapide. Je voulais juste dire que voilà, si c'est évidemment 2 à 5% des cas, du coup, ce n'est pas négligeable. Que du coup, évidemment, je rejoins ce qui a été dit, si on peut décaler l'intervention qui présente un risque d'infection et en cas de particulier de patients encore plus risqués, je pense qu'il faut la décaler. Si jamais ça venait à être le cas, en effet, la nécessité de réadresser un ORL, etc., dans cette période compliquée paraît pas indiqué. Donc oui, si on peut décaler ces techniques d'aménagement de pré-sous-sinusienne, je pense qu'en effet, c'est plus raisonnable. Ben c'est bien, on est tous d'accord, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ben ça, c'est les complications, on peut passer, je crois, c'est les complications de la greffe qu'on avait vues. Alors, un point dont Pierre est un des leaders en France et en Europe, est-ce que je peux faire des greffes ? Est-ce que je peux faire des reconstitutions ? Est-ce que je peux faire des reconstitutions 3D ? Est-ce que je peux faire des chirurgies plus sophistiquées ? Alors, Pierre, est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas ? Alors moi, je vais dire on fait parce que voilà, sinon je vais m'ennuyer. Tu as déposé le bilan du cabinet, ça va être compliqué. Voilà. Alors je vais dire on fait. Alors j'allais dire je vais dire on fait à condition de maîtriser la gestion de la complication. C'est toujours un petit peu sur quoi on retombe. C'est que en fait, si j'ai fait deux greffes osseuses dans ma vie, c'est peut-être pas la semaine prochaine l'occasion de faire la troisième. Je pense que par contre, voilà, si c'est une technique de comblement d'alvéoles, que ce soit une technique de régénération osseuse guidée avec de l'utilisation de membranes et biomatériaux, etc., ou de greffe osseuse, la complication infectieuse va être beaucoup plus facilement gérée au cabinet, c'est-à-dire que ça va être l'incision de l'abcès, le drainage. Il n'y a pas ce risque, moins en tout cas, qu'on peut avoir sur un sinus avec la nécessité d'un drainage sous anesthésie générale par voie orale, etc. Donc, je pense qu'une greffe osseuse classique, alors bon, là, la photo, évidemment, est associée à un soulevé de sinus, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais le côté purement apport, que ce soit d'un biomatériau ou d'os autogène, me paraît pas contre-indiqué à condition de savoir maîtriser un petit peu les complications à court terme. Voilà, on est d'accord sur l'essentiel, mais je crois que Patrick et moi, sur le mois de mai en tout cas, on ne fera pas, juste par le devoir de précaution. Mais effectivement, si vous dominez bien la question, pourquoi pas. Alors, en tout cas, le risque n'a rien à voir avec le risque sinusien. Alors, qu'est-ce qu'on doit prescrire maintenant, parce qu'on est dans les sinus et les greffes ? Grande question, mais que tout le monde, je crois, connaît, les prescriptions des INS et la prescription des corticoïdes. Alors, on va faire appel à Patrick Limbourg sur cette question de thérapeutique pure. Alors, vous l'avez sûrement entendu, au début du Covid, il était plutôt recommandé de ne pas prescrire d'INS, c'est-à-dire d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, et parce que ça pouvait favoriser le développement et la complication des malades qui avaient été infectés par le Covid.
D'une manière générale, en chirurgie orale, on prescrit assez peu des INS. On prescrit beaucoup plus des corticoïdes, qu'il s'agisse de prednisone ou de prednisolone. Ce sont des molécules qui vont avoir une action plus complète. Ce sont des molécules qui vont permettre d'agir sur l'édème, bien évidemment, sur l'inflammation générale, sur la douleur. On a beaucoup moins de douleur quand les patients sont sous corticoïdes que quand ils ne le sont pas ou quand ils sont sous anti-inflammatoires non stéroïdiques. Deuxième élément, on attribue aux corticoïdes un certain nombre de complications, notamment une atteinte de la cortisolémie et de la capacité de nos surrénales à prescrire. Ça, c'est à sécréter. C'est vrai sur des prescriptions de longue durée. Ça n'est pas vrai sur les corticothérapies courtes qu'on a tendance à utiliser actuellement. Et pour un certain nombre de gestes, alors pour une pose d'implant simple, je ne suis pas entièrement convaincu qu'il y ait besoin de prescrire des AIS, mais par contre, sur une pose de 6 implants, il est clair que les suites post-opératoires seront plus discrètes et le patient sera infiniment plus confortable si on fait une prescription qui va commencer le matin ou mieux la veille de l'intervention et poursuivie pendant 3 ou 4 jours avec un arrêt brutal et pas un arrêt lent comme on fait sur des prescriptions beaucoup plus longues. Voilà. Mais d'une manière générale, ce que tu viens de nous dire, Patrick, oui, on peut prescrire des corticoïdes sur une période de 3 à 4 jours, ce que l'on fait classiquement. Donc, en fait, cette période Covid ne change pas pour nous la prescription antibiothérapie et corticoïdes associés. Tu as raison, dès lors qu'il y a une prescription d'antibiotiques qui est associée. D'accord. Pierre, tu es d'accord ? Moi, je suis assez d'accord. Je pense que, d'abord, d'un point de vue de tout ce que vient évoquer Patrick, et puis il y a aussi, ça aurait été une vraie perte de chance pour nos patients. C'est-à-dire que ça aurait été un vrai problème pour moi de me dire, ben, je vais faire cette intervention maintenant sans corticoïdes, donc potentiellement, mon patient va avoir plus mal, etc. Ça m'aurait posé problème. Le fait de pouvoir se rassurer et de prescrire cette corticothérapie, justement, consolide notre choix de pouvoir faire ces interventions. En fait, la synthèse de ce qu'on vient de voir, c'est que globalement, ça ne change pas grand-chose à nos protocoles habituels, si ce n'est un peu plus de précaution à l'arrivée des patients, protéger bien notre personnel, mais que nous qui faisons des implants depuis assez longtemps, on avait déjà en place un protocole qui permet de protéger à la fois les patients, nos assistantes et nous-mêmes. Donc, je ne vois pas de grosses différences et je ne vois pas pourquoi on allait générer de l'anxiété. Je crois qu'il faut au contraire rassurer nos confrères qui font l'implantologie et leur dire que si effectivement ils appliquent les conseils que l'on vient d'évoquer, la pratique implantaire devrait être à nouveau simple et ne pas compliquer leur prochaine semaine. Donc, je crois qu'on a quasiment respecté notre objectif, Olivia. Et on va maintenant pouvoir passer aux questions des confrères qui nous ont fait l'amitié de se connecter sur ce webinaire Nouveau Modèle. Parfait. Alors, tac, 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 tac. La première question vient du docteur Moufok qui vous demande qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de la piezo pour les sinus lift dans cette période-là? Patrick, tu veux répondre à cette question? Alors, il est clair que parmi les instruments qu'on utilise, celui qui va générer l'aérosolisation le plus, c'est cet instrument qui diffuse effectivement un spray important. On l'utilise bien sûr pour les voies latérales des sinus. Peut-être que dans ce contexte-là, il peut être légitime de porter un écran au-dessus de son masque et de ses lunettes. Je pense que c'est la seule procédure où réellement on a un risque d'aérosolisation, de nébulisation de gouttelettes et qui pourrait présenter un potentiel risque. Alors, sur le plan technique, il n'y a aucune discussion. Le fait d'utiliser la piezo diminue de façon considérable dans la littérature les risques de perforation. Mais comme on vient de vous le dire, le conseil amical que l'on donne, c'est de ne pas faire de sinus par voie latérale. Donc, pour l'instant, la question pour moi ne se pose pas, elle se reposera en septembre, mais s'il faut utiliser la piezo en septembre, on l'utilisera comme on le faisait précédemment. Pierre, je pense que c'est pour toi. Le docteur Lazaro demande « Que faut-il faire avec l'utilisation de la micro-saut et de son aérosolisation ?» Bon, là, pour le coup, alors
par rapport à la piezo, la microsonde n'aérolyse pas du tout, puisque c'est une irrigation externe qui est exactement la même irrigation que pour la pose d'un implant. Donc je pense qu'il faut là il n'y a pas de stress particulier à avoir. Je recoupe par rapport à ce qui a été dit. Par contre, je pense que du coup il va falloir plutôt favoriser en effet les fraises et l'utilisation des pièces à main et de nos contre-angles de façon classique par rapport à la piezo dans les prochains temps, qui est en effet un des rares instruments en chirurgie qui a une tendance à créer des aérosols. Donc je pense en tout cas à une certaine nébulisation. Donc je pense que voilà, pour le reste des instruments chirurgicaux à irrigation externe de solutions salines stériles, il n'y a pas plus de contre-indication que ça. Au contraire. Patrick, je crois que c'est un ami à toi, le docteur Vermeulen, qui demande pourquoi ne pas demander aux patients de rester confinés pendant la corticothérapie, soit environ pendant 5 jours. Alors, pourquoi ne pas demander aux patients d'être confinés ? Parce que je pense que demander en ce moment à un patient d'être confiné, c'est s'en faire un ennemi immédiat. Je crois que le confinement, les gens en ont vraiment plus que ras-le-bol. D'ailleurs, on voit bien, nous, ici, autour du Jardin de Luxembourg, que les Parisiens ont considéré que le confinement était quasiment terminé. Très sincèrement, je crois qu'on n'a pas de risque ajouté si on respecte ce qu'on vient d'évoquer avec Patrick Limbourg et Pierre Keller. Moi, je ne suis pas pour la complexification de notre vie, je suis pour la simplification et je préfère garder des actes que je domine bien. Et en tout cas, pour ce qu'on a dit, c'est-à-dire implant, extraction implant, semeur sans matériaux granulés, je le ferai vraiment sans aucune inquiétude, ça ne m'empêchera pas de dormir. Messieurs, je ne sais pas si vous pratiquez cela, mais pour ceux qui utilisent le PRF, pensez-vous que dans ce contexte, il faille éviter les prélèvements sanguins pour faire du PRF ? Alors Patrick, PRF, est-ce qu'on a besoin du PRF ? Pas du tout, je ne vois pas du tout pourquoi. J'étais hier à l'établissement français du sang parce qu'on m'a fait une plasmaférèse, comme j'ai été Covid+, il y a quelques semaines, on m'a demandé de bien vouloir donner des anticorps pour les malades. Il y avait une activité tout à fait normale dans les maisons du don et on en a parlé et ça ne pose objectivement aucun problème. La seule vraie question qu'on doit se poser, parce qu'on n'a pas de langue de bois, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Dans la chirurgie implantaire classique, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, pourquoi allonger les traitements avec des techniques qui ne sont pas indispensables ? Mon point de vue est que, là encore, il ne faut pas alourdir les procédures avec des techniques qui… Oui, mais là, tu es sur un débat de fond. Tu n'es pas sur… Covid, c'est le débat, le grand dossier du PRF. Ça prend encore plus son sens aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours été convaincu, comme toi d'ailleurs, que plus les chirurgies sont courtes et mieux elles sont menées. Nos patrons, Lecointre et Tressac, étaient d'ailleurs d'accord sur ce point. Et je crois qu'il ne faut pas allonger les chirurgies inutilement avec des résultats qui ne sont pas supérieurs aux techniques classiques. Voilà. Mais je crois que c'est important de dire les choses comme on les pense. Vous parlez d'attendre septembre pour pratiquer certaines interventions de chirurgie, mais qu'attend-on finalement en septembre ? Qu'est-ce qui va réellement changer d'ici le mois de septembre, messieurs ? Alors, on n'en sait rien, on n'en sait strictement rien. Ce que l'on espère, c'est que la courbe va redescendre et que, comme toutes les épidémies, eh bien, il y a un sommet de la courbe et ensuite la courbe du virus redescend. Et si on veut être optimiste, ce qui est notre cas, eh bien, on peut espérer un retour à la normale en septembre-octobre, mais personne n'en sait strictement rien aujourd'hui. Alors, nous avons… Il y a beaucoup de questions, du coup. Eh bien, il faut les prendre. C'est pour ça qu'on a fait court dans l'exposé. Le docteur Lazaro, à nouveau, quelle est la… C'est un de mes amis de la compagnie des experts, monsieur Lazaro. Voilà. Je salue, Bernard Lazaro. Non, c'est Paul Lazaro. Ah, Paul Lazaro, pas Bernard. Paul, bien sûr. La responsabilité du praticien… Si le patient implanté devait être contaminé par le Covid à l'extérieur du cabinet ? Écoutez, je vais vous répondre en vous disant que mon exercice libéral est dans une clinique privée, dans ce qu'on appelle une maison des consultations, où il y a à peu près 70 praticiens de toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Et que nous avons eu plusieurs patients qui sont venus la semaine dernière et en disant de façon un peu provocatrice, lors de mon rendez-vous, si j'attrape le Covid, si je suis infecté, je porterai plainte.
Alors, c'est quand même très, très bizarre comme réaction. Si les gens ont peur d'être contaminés chez nous, on a envie de leur dire, c'est pas la peine qu'ils viennent. Je veux dire, on est là pour soigner les gens, on est là pour les prendre en charge dans des conditions correctes. L'ensemble des réflexions, des échanges, des protocoles, du travail qui a été fait pour essayer d'améliorer la prise en charge dans un contexte très particulier sur lequel on a un certain nombre d'incertitudes requiert aussi que les patients qui viennent nous voir nous fassent confiance et puis acceptent aussi qu'il y ait ces incertitudes. Le risque zéro n'existe pas, c'est certain. Mais enfin, il faut savoir aussi raison garder et on ne va pas tout annuler pendant 8 mois au motif qu'on risque de ne pas très bien savoir comment gérer les choses ou se mettre tous dans des scaphandres comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui, à mon avis, n'a pas de sens. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. Si, ben après, tout le problème, ça va être comment, je sais pas, comment le patient peut potentiellement prouver qu'il l'a attrapé lors de sa consultation ou de sa visite chez son praticien. Donc, je ne suis pas du tout dans le domaine juridique. Il faudrait éclaircir ce point, mais je pense que à un moment donné, comme dit, c'est à nous aussi de donner des rendez-vous à des patients qui ont envie de venir. Ça correspond un peu à ce que tu dis. Je pense que là, dans cette phase de reprise, c'est à nous de proposer aux patients de venir, de confirmer leur rendez-vous s'ils l'avaient déjà, mais qu'évidemment, c'est à lui seul de prendre la décision de venir subir cette intervention et que s'il veut le décaler, il peut le décaler. Donc après, à partir de là… Il y en a qui l'ont fait. Pour autant, et le travail d'Olivia est très clair dans ce domaine, la préparation du cabinet, l'aménagement de tenues spécifiques, etc., attestent vis-à-vis du patient, et rien que pour ça, c'est très important, qu'il y a une prise de conscience des risques potentiels et que le praticien et son équipe mettent tout en œuvre pour essayer de limiter au maximum ce risque. Oui, et comme ça, tu l'as dit, je pense que la prise de température du patient à l'arrivée dans le cabinet est une démarche intéressante et rassurante. Comme ça a été évoqué, et qui valide aussi le fait de pouvoir lui prescrire sa corticothérapie, etc. Je pense que c'est quelque chose pour une activité chirurgicale implantaire, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, qu'il est vraiment intéressant de mettre en place au cabinet. Patrick ? Oui. D'un point de vue, du coup, toi, en tant qu'expert, comment tu penses que ce genre de cas vont être traités si un patient devait porter plainte parce qu'il est atteint du Covid ? Comment on pourrait prouver ce qui s'est passé dans le cabinet ou non ? Bien, écoute, je crois que là, la situation est extrêmement simple. Il faut qu'on est toujours dans l'obligation de moyens. Et comme on l'a expliqué dans le webinaire précédent, il faut faire la preuve qu'on a acheté, qu'on est équipé avec le minimum syndical, c'est-à-dire avoir de la solution hydroalcoolique, d'avoir les masques adéquats, d'avoir l'hygiaphone pour protéger notre secrétariat. Et en cas de discussion, en cas de contestation, l'expert va demander au praticien mis en cause quelle est la procédure qu'il a utilisée et comment il a opéré. Moi, je ne vois pas de risque majoré aujourd'hui avec cette situation, à la condition d'avoir effectivement la preuve que l'on a bien acheté, qu'on a bien en stock un certain nombre de matériel pour assurer la protection des patients. Je ne crois pas que ce risque soit un risque réel. Je crois que les patients doivent être informés, c'est ce qu'on a dit dans le précédent webinar. Je crois qu'il faut expliquer aux patients ce qu'on a mis en œuvre pour les protéger. Moi, j'ai vu en urgence quelques patients et les patients font confiance à leurs praticiens. Et quand ils voient qu'on a mis en place justement ces protocoles, je crois qu'ils sont rassurés. Le fait, par exemple, de prendre la température, j'ai vu dans les recommandations ou les conseils du Conseil de l'Ordre qu'ils disaient que ce n'était pas vraiment utile. Ben, moi, je crois que c'est utile parce que ça montre aux patients qu'on prend compte de sa santé et que, bon, bien qu'ils soient totalement surréaliste de penser qu'un patient qui aurait 39 de fièvre viendrait pour se faire poser 4 implants, je crois que pour nous, c'est quand même une sécurité et ça montre qu'on a un protocole qui est bien établi. Voilà. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de risque majeur. Par contre, bien sûr, il faut avoir les dossiers bien tenus, les questionnaires médicaux tels qu'on l'a évoqué, les devis bien remplis et que les patients ne puissent pas dire « Ah, ben, si on m'avait dit que je pouvais reporter, j'aurais reporté. » Moi, je crois qu'il faut que ça soit aussi
consigné dans le dossier du patient, qu'on lui a offert la possibilité de reporter cette intervention, et puis de ne pas se lancer dans des interventions trop lourdes qui ne se justifient pas, parce qu'en fait, une des questions qu'on a dans les missions d'expertise, c'est est-ce que les actes étaient justifiés ? Par exemple, aujourd'hui, je ne ferai pas des implants maxillaires à la mandibule, comme je l'ai dit précédemment, chez un patient, et en particulier quand on perd des patients qui sont des patients âgés, ce qui est le cas souvent. Voilà, donc pour moi, c'est une question où le risque est pas nul, il n'y a pas de risque nul, mais très faible. Il y a justement le docteur Patrick Simonet qui disait « Ne serait-il pas pertinent, d'un point de vue médico-légal, d'ajouter dans le consentement éclairé un paragraphe spécifiant que nous avons bien pris toutes les précautions sanitaires en cette période particulière et que le patient donne son accord pour cette intervention ?» Moi, je crois que c'est un conseil très judicieux de Patrick Simonet, qui est le vice-président de la compagnie que je préside. Et tout ce qui est dans le devoir d'information, est-ce qu'on peut, si on peut améliorer notre questionnaire et notre consentement des patients, me paraît judicieux. Ça ne m'étonne pas de ce conseil de Patrick Simonet. Il y a un docteur anonyme qui demande si l'on doit prescrire un test PCR avant la chirurgie implantaire. Alors, Patrick ou Pierre, est-ce qu'on prescrit un test PCR ? Alors, non, on ne peut pas. Deuxièmement, comme vous le savez, malheureusement, l'accès aux tests PCR est un peu compliqué. Les sérologies, pour l'instant, ne vont pas. Alors, on attend les informations de notre tutelle, mais ne sont pas libres d'accès. On aura sûrement plus d'informations. En tout cas, il n'y a aucune raison que ça serait d'ailleurs une fausse sécurité, puisque vous savez que entre le résultat du test et le moment où on verra le patient, il pourrait potentiellement être contaminé. Donc, non, c'est pas du tout d'actualité de faire cette prescription. Par contre, on attend avec impatience ce que tu as évoqué, toi, Olivia, c'est-à-dire les tests salivaires. Et d'ailleurs, cet aspect a été abordé par le président de la SOP, parce que si effectivement les tests salivaires étaient disponibles et fiables, ça impliquerait l'action des chirurgiens dentistes de façon tout à fait utile. Alors, nous avons une question à nouveau du docteur Paul Lazaro. Dit « Pourquoi le Conseil de l'Ordre de Monaco a recommandé la prise de température des patients ?» Ah, parce que c'est le Conseil de l'Ordre de Monaco et que c'est notre ami Bruno Fissor qui préside ce Conseil de l'Ordre et qu'il a dû penser que les conseils que l'on faisait avec Biotech étaient des conseils très judicieux. Voilà, ça ne m'étonne pas de Bruno Fissor qui est un implantologiste bien connu. Le docteur Lieberman signale que la Société française de pharmacologie et de thérapeutique ne recommande pas l'utilisation de povidone iodé parce que cela peut diminuer l'action virucide et il demande quoi utiliser d'autre. L'utiliser avant. Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne veut pas donner de la bétadine ? Bon, on fait comme on faisait avant, c'est-à-dire qu'on fait des bains de bouche à la chlorhexidine. Certains d'ailleurs ont l'intention de le faire. Moi, j'ai entendu parler d'eau oxygénée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est ce qui ressort aussi comme alternative un peu plus virucide que la chlorhexidine en alternative à la bétadine. Donc, je crois que c'est l'autre piste. C'est pas très bon. Hein. On est d'accord. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça qui ressort un peu de ce qu'on peut entendre. Ouais, enfin, l'essentiel est de faire l'un des trois selon vos propres croyances. Le Conseil de l'Ordre conseille effectivement l'oxygéné dans ses recommandations. Mais moi, je pense que pensez-vous, comme Patrick Limbourg. Que pensez-vous des tests justement PCR sur les praticiens ? Parce que nous avons une praticienne, le docteur Ménian, qui dit qu'elle, dans la clinique où elle travaille, elle a obligation de faire ce test avant toute intervention qu'elle réalisera. Alors Patrick, toi tu travailles dans une clinique, donc tu dois pouvoir répondre à cette question. Enfin, Pierre aussi, ce serait intéressant de lui poser son avis. Nous ici, il n'a jamais été question que les chirurgiens soient testés, même ceux qui, comme moi, ont été testés positifs au Covid-19. A priori, je devrais avoir une certaine immunité, mais en tout cas, ceux qui n'ont pas été confrontés à ce virus, il n'est pas prévu qu'ils soient testés. Là encore, dans l'immédiat, peut-être que dans quelques jours, il nous sera demandé, nous, personnel de santé, mais ça peut concerner effectivement tout le personnel soignant, les infirmières, les assistantes, etc. Ça ne serait pas idiot. Le problème, c'est la généralisation de ces tests. Pierre, on t'en a parlé, toi ? Pas d'actualité, grosse discussion sur les tests aujourd'hui. Oui.
En tout cas, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne fera pas de tests généralisés. Je ne pense pas que ce sera appliqué de faire des tests généralisés. Bon, après, c'est aussi d'un point de vue éthique compliqué. Et puis après, bon, bah, tu es positif, tu n'as pas le droit de bosser. C'est combien de temps? Comment ça se passe? Enfin, l'application me paraît très compliquée. Je ne pense pas que ce soit réalisable à l'échelle d'une profession. Bon, alors, j'avais mal compris la question, je m'excuse messieurs, c'est que dans la clinique où travaille le docteur Maignan, ce sont tous les patients qui sont obligés de faire un test PCR avant toute intervention. Oui, alors c'est ça, autre c'est chose. En fait, ils appliquent le principe de précaution pour la clinique, c'est-à-dire ils veulent opérer des gens qui ne présentent pas de problème. La vraie question qui devrait se poser, c'est quand font-ils le test? Parce que comme l'a dit Patrick Limbourg, si le test, ils le font à J-8, ça n'a aucun intérêt. Ouais, et puis là, par contre, souvent, les cliniques expliquent qu'en fait, elles sont obligées de mettre en place ce protocole parce qu'elles n'ont pas assez de matériel de protection pour les praticiens et personnel soignant, et que du coup, dans ce cadre-là, ils estiment que pour assurer une certaine sécurité, ils obligent aux patients de faire ces tests. Donc le débat, il est carrément dans l'autre sens, quoi. Alors, on a une question qui sort un tout petit peu de la chirurgie implantaire pure, mais je vais vous la poser tout de même, messieurs. Dans les recommandations émises par le Conseil de l'Ordre, ils n'ont pas parlé de la chirurgie parodontale. Que pensez-vous de l'utilisation des ultrasons en chirurgie parodontale? Ah, vaste débat. Alors nous, on n'a pas du tout l'intention de faire une polémique quelconque avec nos amis du Conseil national de l'Ordre avec lesquels on s'entend très bien. Le problème de la chirurgie parodontale, si c'est une chirurgie avec uniquement l'utilisation de curettes, moi, je ne vois pas où est le problème. Le vrai problème est pour les parodontistes. Ça a été évoqué par Jean-Luc Ardouin ce matin de la SFPIO dans le débat qu'on a eu avec les présidents de compagnie pour l'ADF. C'est les ultrasons. Le vrai problème, il est avec les ultrasons. Alors après, si on considère que le fait de porter une visière et un masque est suffisant, c'est très bien. Si on veut utiliser la plaque de protection qui est disponible chez Biotech, en plus, c'est très bien. Après, la vraie question, c'est que s'il y a aérosolisation sur cette plaque de protection, il faut acheter l'option essuie-glace. Oui, en effet. Et ça devient compliqué. Voilà, donc c'est un vrai problème, c'est l'utilisation des ultrasons. C'est tout. C'est le même problème que pour la piézo, en fait. Oui. Ouais, je crois que c'est une aérosolisation maximale, en particulier ça varie selon les modèles. Je sais par exemple que le Cavitron fait une aérosolisation très importante si on compare au détartreur de Satellec, par exemple, sans aucune publicité pour l'une des marques avec lesquelles je n'ai aucun lien, bien sûr. Je pense que c'est vraiment problématique parce que c'est vrai que dans des cabinets qui ont une activité de parodontologie exclusive, avec 2 mois de patients à replacer dans un circuit, leur dire ben, vous vous arrêtez, vous ne faites plus aucun traitement paro, c'est très très compliqué. Il est clair que dans des activités plus diversifiées, il faudra repousser la paro ultrasonique, entre guillemets. Pour les cabinets plus exclusifs, je pense qu'il faudra qu'ils mettent en place des protocoles adaptés à cette activité, avec peut-être un système de changement de fauteuil et des temps de décontamination vraiment plus respectueux et tous les moyens de protection que tu as évoqué, Olivia. Mais ce sera Il y avait aussi des aspirateurs spécifiques qu'Olivia avait présentés dans le précédent webinaire. Après, il faut faire attention aussi à quel est le coût de tous ces équipements, parce qu'un des aspirateurs qu'on avait évoqué ensemble était de l'ordre de 2 000 €. Donc, si tu commences à investir 2 000 € pour ton aspirateur de droite et 1 500 € pour l'aspirateur de gauche, pour faire des détartrages chez un praticien conventionné au tarif conventionnel, ça se discute. Que pensez-vous, mais je crois Patrick que tu en as déjà parlé, mais si tu peux, que pensez-vous des biomatériaux prêts à l'emploi? Alors ça, on pourrait faire un webinaire, je crois qu'on pourrait faire un webinaire complet sur ce sujet, parce que d'abord, il n'y a pas de vrai consensus. Vous avez des matériaux qui aujourd'hui font l'objet d'énormes publications et de grands nombres de publications dans les revues internationales. Maintenant, on a chacun nos tropismes pour certains matériaux et c'est vrai que
dans mon groupe d'amis proches, on est un certain nombre à avoir utilisé depuis assez longtemps ben, soit le cartilésor collagène, soit le RTR, et plus récemment, grâce à vous et grâce à Thierry, le Matribone, et que c'est vrai que d'avoir un matériau qui est une association de tricalcium phosphate et de collagène nous a simplifié la vie et nous a donné des résultats qui sont tout à fait intéressants, avec comme avantage majeur, et je m'arrêterai là, le fait que quand vous avez mis par exemple ces matériaux autour d'un implant après extraction, eh bien, ce matériau ne s'en va pas avec le premier café que le patient va prendre en descendant de votre cabinet, ou pire, le premier cognac qu'il aura pris en descendant après sa chirurgie. Ok, messieurs, je crois qu'on a à peu près fait le tour des grandes questions évoquées par l'audience. Bah, écoute, si on a fait le tour, je voudrais remercier mes deux amis Patrick Limbourg et Pierre Keller. Je voudrais remercier à nouveau tout le groupe de travail qui a travaillé autour d'Olivia et à mes côtés pour essayer de faire ces conseils qui sont des conseils pratiques. Je répète, ces conseils sont des conseils amicaux qui ne se substituent en aucun cas aux recommandations qui pourraient émaner soit du Conseil national de l'Ordre, soit de la Haute Autorité de Santé. Et puis, eh bien, écoutez, on organisera d'autres webinaires, puisque maintenant, c'est un peu la mode. Et un grand merci, Olivia, d'avoir managé tout ça avec une grande maîtrise. Merci beaucoup, messieurs. Et, merci. Je vous souhaite une belle reprise à tous lundi et bonne reprise à tous. Voilà, et restez zen. Voilà, tous. À très bientôt. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.